présenter ces gens une lecture de la proposition de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Et député Massuré, député Routy de Ville, le minimum de sérénité. Et je rappelle que cette séance va être solennelle aujourd'hui. Collègue profane, s'il vous plaît. Collègue profane de Petite Rivière de l'Antibonite, suivez-vous. Allez-y. Proposition de l'ordre du jour de la séance de mise en accusation du président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, mercredi 7 août 2019. Point 1. Ouverture de la séance. Point 2. Mot du président de la Chambre des députés, honorable Garibaldo. Point 3. Lecture de la correspondance. Point 4. Lecture des articles 93. 186 de la Constitution de 1996 amendée. Point 5. Lecture des articles 94, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 103.1, 103.2, 104 du règlement intérieur de la Chambre des députés sur le mode de votation. 6. Lecture de la demande de mise en accusation. 7. Débat de l'Assemblée autour de la demande de mise en accusation. 8. Vote de l'Assemblée. Majorité de 2/3 des membres de la Chambre des députés. Première phase de l'article 56 de la Constitution. Point 9. Fermeture de la séance. Merci. Donc, la collègue, s'il vous plaît. La proposition d'ordre du jour, telle que lue et présentée par l'honorable député Nadis Saint-Jean Lundi, est mise en débat. Et sur ce, la première intervention est accordée au collègue descendant, s'il vous plaît. Allez, à vous. Merci. 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 La première intervention est accordée au collègue Bugger. Monsieur le Président, distingués membres du bureau, chers collègues accusateurs, collègues de l'Assemblée, Président, la matinée du jour du jour, me permettre de féliciter tous les collègues qui comprennent que séance sont séance importante. Et vous répondre à travail des constitutions en mandé. Félicitations, collègues. Félicitations, collègues. C'est ce que collègues de la Constitution, collègues de la 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 quel est le mot président? Je salue les collègues, pour les amis, nous parlons ensemble, mais c'est un problème d'usage. Mais c'est un problème d'usage, je salue les collègues. Merci président, permettez-moi de saluer les collègues. Je salue encore les collègues pour leur présence, président. Président, dans l'ordre du jour, nous pensons qu'il y a deux soumissions importantes pour nous. Après que nous fait lecture de la demande des habitations, monsieur le président, nous pensons qu'il fallait introduire un point pour la présentation de l'acte de mise en accusation. Donc ce point n'est pas inséré dans l'ordre du jour et nous pensons qu'il est important, monsieur le président, de faire ajouter ce point, présentation de l'acte de mise en accusation. Mais avant d'y arriver, monsieur le président, avant même le point 6, nos autres collègues accusateurs, nous avons adressé un ensemble de correspondances au bureau de la Chambre des députés, demandant au bureau, via le président, d'inviter certaines personnalités. Ce serait de bon ton, monsieur le président, d'insérer pour nous un point dans lequel il y a formation d'une délégation devant accompagner les personnalités invitées. Merci, monsieur le président.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, taisez-vous. Donc, je rappelle que nous sommes en train de débattre de la proposition de l'ordre du jour. Les débats ne sont pas encore ouverts. Donc, nous sommes en train de débattre de la proposition de l'ordre du jour. Sur la proposition de l'ordre du jour. Nous avons tout rejeté de la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du bureau, honorables collègues, Président, sur la proposition de l'ordre du jour, avant de faire mon intervention, je voudrais aider mon collègue Louis-Eva pour lui dire que, alors, sa demande est légitime, mais je pense qu'il y a une petite erreur dans la rédaction de l'ordre du jour, parce qu'en réalité, quand on fait la lecture de la correspondance, on fait la lecture de tous les dossiers, de toutes les correspondances agressées au bureau, et je crois là, les différentes lettres adressé par les accusateurs de février à juin, je pense qu'elles vont être lues de cette partie. Donc ici, lecture de la demande, peut-être on aurait dû mettre lecture de l'acte, ce qui se demande. On n'aurait pas dû répéter demande de l'accusation. Parce que cette demande, les députés l'avaient faite déjà dans les correspondances de février à juin. Donc, seulement on peut mettre l'acte de l'accusation pour que le demande. Merci pour les conseillers. Non, non, écoutez, j'aime le bureau, je suis en train de le bureau, et vous n'avez pas de question. Vous n'aimez pas le bureau. Mon intervention, c'est que je vais demander au bureau, dans cette proposition d'ordre du jour, d'enlever certainement pour le phrase, pour moi, au point 8 de l'ordre du jour, vote de l'Assemblée, parce que je ne comprends pas trop bien pourquoi cette parenthèse et cette fameuse majorité de deux tiers, parce que ça peut prêter à équivoque. Quand on dit vote de l'Assemblée, majorité de deux tiers, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, et il faut que c'est majorité de deux tiers, comment? Est-ce qu'il va falloir avoir majorité de deux tiers pour avoir un vote? Non, la loi ne le dit pas. Il n'est nulle part écrit dans la loi que d'ailleurs, il faut reconnaître une certaine faiblesse. Il n'y a même pas une législation qui précise la procédure de la disqualification. Regardez, et je vais sur le deuxième point du collègue de l'Europe, regardez, il parle de délégation et de gens qu'on invite. Cela signifie qu'on est dans le flou. Il s'improvise. Ils savent très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'entrée ici dans le Parlement. On n'est pas encore là, merci. Je demande d'enlever cette parenthèse, majorité des deux tiers, d'enlever dans la motion de l'ordre du jour. Merci. Je dirais, vote de l'Assemblée des membres de la Chambre des députés pour la phase de l'article étudiant. Il faut enlever ça. Merci, collègue Nozéus, à l'intervention. Je pense qu'il y a eu deux petites corrections qui ont été apportées à l'ordre du jour que je considère être salutaires. Au point 6, c'est présentation de l'acte de mise en accusation. C'est la nouvelle formulation. Au point 8, vote de l'Assemblée. C'est tout. Merci et la parole est accordée au député Baudière. Sur la proposition d'ordre du jour, je rappelle. On n'est pas encore à la phase. Collègues accusateurs, membres de l'Assemblée. Monsieur le Président, mon intervention, c'est pour attirer l'attention du bureau sur l'objet de la rencontre de ce soir. Il s'agit de la mise en accusation, il s'agit de l'introduction d'une motion de mise en accusation contre le président de la République. Alors, je pense qu'au point 4,
lecture des articles 93 à l'annexe de la Constitution, il serait important d'inclure lecture de l'article 21 de la Constitution qui parle justement du crime de trahison. Merci. C'est pas une proposition quand même. Une proposition de bataille soutenue par un député. Ça va. L'argent va être fait. Ok, l'argent va être fait. J'apporte la parole au député ministre de l'État. Et je rappelle que lorsque nous serons dans une phase avancée des débats, les députés accusateurs doivent s'entendre pour prendre la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame Soukho, collègues de l'initiative qui sont des organisations, les collègues de l'Assemblée, mesdames et messieurs de la presse, président. Féliciter du roi parce que enfin il a réussi à confesser l'instant. Le président a souligné notre jeu, j'en sais dit à l'air, si instant il fait prononcer sous la lettre. Et pas pour bien que le dit c'est une séance spéciale. Moi, je viens du président pour soutenir. Position de collègue Jean-Marcel Numéran pour faire droit à correspondance au directeur pour la présence dans cette salle. Collègue et Néolette, je rappelle que nous sommes en train de débattre de la proposition de notre jour et au moment de faire la lecture de la correspondance, c'est pour nous avoir être soulevé. Oui, président. Mais nous ne sommes pas encore là. Qui n'aime pas nous encore du jour. Président, on va faire ça à un point dans l'ordre du jour. Pour nous, à le recevoir, personnalité, nous avons besoin qu'il nous salue. Qui est-ce qu'on est? Qui est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est pas moi? Président, m'a souligné pour collègue Jacky, c'est pas papa, c'est pas frère, c'est pas personne de nous. Et si t'es au même d'appeler l'esprit tranquille, quand on a vu là, il a prié président de la collègue Léonel, je rappelle que nous sommes sur la résolution de ce jour. Non. Collègue Jacky, s'il vous plaît. Collègue Léonel. Nous les résidents. Les résidents de Dieu. Et important pour nous, on va dans le du jour, on mettre point ça pour la recevoir personnalité, ça pour nous dans cette très important. La deuxième chose, président. Merci, Je vous remercie. Merci à vous. La parole est accordée à vous. Président, moi, je refuse de banaliser l'intervention du collègue député Badi.
Et c'est ça justement qui inspire et demande de parole d'une fédération. Collègue Mazéus veut amender la Constitution dans l'espace d'une intervention à la tribune. Collègue Patrick, la majorité des conseillers à l'Assemblée. La majorité des deux tiers, c'est cette majorité qui est requise par la Constitution pour que l'Assemblée des députés puisse éventuellement mettre en accusation le président de la République. Cela veut dire que Jean-Hôte Dujoie, point 8 là, il conforme avec les prescrits de l'article 286. Donc, si collègues prétendent que nous avons fait débat en absence d'un quorum de 81 députés au moins, nous disons désolé. Quelle serait l'économie du débat si le quorum ne permet pas à l'Assemblée de conclure les débats par une fois? On n'est pas encore là, donc nous sommes sur la position de toujours. Donc, oui, mais président, collègue Mazéus, demandez à Bureau pour effacer sa parole du joueur comme quoi. C'est pas important. Nous dit que c'est important. Nous avons besoin de 81 députés au moins pour que les débats puissent avoir lieu. Pourquoi? Parce que justement, à qui ça? Il y a une motion qui est l'économie du débat. Il y a une motion qui est accordée pour parler Jean-Michel Moïse de. Pour nous faire séance là, nous avons 60 députés, nous avons fait débat, mais nous passons au vote sur le sujet là, débat de l'OTIA, nous avons besoin au moins 80 députés. C'est le bon moment. Nous avons un niveau ça, mais nous avons fait débat, nous avons député 60 députés, nous avons fait débat. Merci. Merci. Le président vous a attiré l'attention du roi sur le fait que, pas question d'enlever, en fait, ce nombre de phrases, non, puisque c'est correct, c'est conforme au prescrit de l'article 286. Merci. Il y a deux dernières interventions. Bonjour, président, membre du bureau. Prenez Gabel, s'il vous plaît. Honorable collègue accusateur, collègue de l'Assemblée, collègue de la Cour, collègue Jean-Michel Moïse de Moulin-Louis, s'il vous plaît. Président, nous toujours inspiré par point 3 du jour. Et c'est à partir de point 3 ça, nous avons ensemble de correspondances que nous avons adressées à Bureau, nous-mêmes députés accusateurs, qui permettent que collègues numérants et proposés pour nous inviter, pour nous rendre délégation car le recevoir invité, moi appuyer, parce que je fais partie de deux membres nous. Et nous profiter, président, pour m'appeler, on leur correspondance au terrain. Nous te sollicitons ensemble de pièces que bureau. Et bien pour communiquer, nous avons ajouté un autre point après point 3, communication de pièces demandées par les députés accusateurs. Ça fait un autre point, on a fait partie de correspondance que nous avons ajouté à tout à l'heure. C'est une motion qui est abordée pour connaître les yeux. Il y a une motion qui est président, membre du bureau, chers collègues, collègues de nos capteurs. Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi on a demandé, on vous a demandé de faire venir des personnalités et à la salle de séance, d'inviter des personnalités de venir faire des témoignages à la salle de séance.
La Chambre des députés n'est pas la retour de justice. La Chambre des députés est là pour mettre en accusation le président de la République. La Chambre des députés peut mettre en accusation le président de la République. Ce n'est pas la retour de justice. Et là encore, communication des pièces, nous ne sommes pas. Nous, communication des pièces, pourquoi ? C'est que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas à la retour de justice. Nous sommes à la Chambre des députés pour la mise en accusation. Monsieur le Président, je vous dis merci. Merci, collègue Christian, président. Président, le député n'est même pas au courant de quelle pièce nous avons solicité. Il n'est même pas au courant de la correspondance. C'est en prévision de la correspondance adressée au bureau que nous autres des députés accusateurs, nous souhaitons ajouter ce point dans l'ordre du jour pour recevoir les pièces sollicitées. Il ne sait même pas de quelle pièce il s'agit. Donc il a anticipé sur un point qu'il n'est même pas informé. Il doit attendre le moment venu pour savoir quelle correspondance, quelle pièce sollicitée. Et quand c'est le bureau qui doit nous aider à recueillir certaines pièces importantes, donc nous sommes encore dans nos droits, président. C'est pourquoi j'ai sollicité à nouveau cette demande, président, d'ajouter comme point 3, 1 ou 3, 2, comme ajout, communication de pièces aux députés accusateurs. Et puis, l'autre point que je suis là pour renforcer, c'est la formation de la délégation pour aller inviter les députés. Tout comme le président pour dénoncer la présence de Kim qui nous donne la salle. Merci à son public. Je souhaite réitérer aux collègues députés que les séances sont publiques. N'importe quel citoyen peut assister. Merci, président. Merci, président. Merci, président. Merci, l'Assemblée est édifiée. Vous avez droit à la parole. Merci. Merci, président. Vous avez droit à la parole. Je rappelle que la parole est accordée à l'IDP d'Arquin. Avec Jean-Roulet, merci. Merci, Monsieur le Président, membre du bureau, honorable collègue de l'Assemblée. Président, j'interviens pour reprendre la demande de mes collègues, Lumérant, Ferrière, en ce qui concerne la formation de cette commission devant accueillir ou inviter ou introduire les invités des députés accusateurs à travers cette correspondance. Merci. Et je n'ai plus loin. Il y a une motion. Honorable Président, membres du bureau, collègues accusateurs, dénonciateurs et membres de l'Assemblée. Président, vous avez bien dit, nous avons ici des séances publiques. À la séance. Moi je suis d'accord. Mais président, c'est la maison du peuple. Mais dans la maison du peuple, dans l'hémicycle, dans cet hémicycle, la Chambre des députés ne peut pas s'ériger en tribunal de droit de l'homme pour que les collègues aient demandé pour bien chercher le monde qui nous vient dans le monde. Alors, président, prenez votre responsabilité. Prenez le ciel, s'il vous plaît. Il y a une motion d'ordre qui est à votre question. Avec tout le respect que je vous vois, vous me laissez terminer. Non, mais anormal. Vous avez encore la parole. Restez ici. Vous avez la motion d'ordre. Et c'est une motion, ce n'est pas une prise de parole. Merci, Président. Président, moi,
Non désaccord par rapport à l'intervention collectivement, Touchard, que j'apprécie. Président, nous sommes des députés accusateurs. Le maître principe. Il est un principe, président. Président, il est de principe que le fardeau de la preuve repose sur l'accusateur. Cela veut dire quoi? C'est à nous d'établir la preuve de ce que Jovenel Moïse peut être mis en accusation. C'est pas à vous. C'est à nous. Et c'est pas à vous de nous dire comment d'établir la preuve. Nous n'avons pas inviter des personnalités pour nous acquitter de notre mission de contrôle. Non, nous avons invité des personnalités détentrices d'informations, c'est-à-dire capables de supporter notre communication. Voilà, nous sommes une séance spéciale. Voilà, c'est bien. Merci. C'est nous qui avons pour obligation et payer. Et ça, c'est à nous de faire. Vous avez été bien. Merci. Oui, je vais faire une émission. Mon frère, mon très cher, mon estime à pour les notions. Pour nous dire que nos questions étaient dans la main, puisque nous avons parlé de ça. Mon estime à pour les collègues s'est trompé. Vous auriez dû répondre à vos témoins et venir ici avec fort au rapport. Parole devant l'Assemblée et à partir de là, nous avons fait ça avec vous. On est le Monsieur de ceci. Alors, Président, pour finir, l'article 58 de la Constitution, amendé de 1747, parlait de la séparation des trois pouvoirs. Alors, la Chambre des députés ne peut pas s'exiger aujourd'hui. Donc, mes collègues nationaux nous sont portés comme tribunal de droit commun. Merci, Président. Merci. Monsieur le Président, nulle part dans la Constitution de 1987 amendée, il va jamais dire que le ministre qui démissionnaire n'a pas rentré dans le Parlement d'une part. Quand il y a un monde qui veut un jour, et puis il dit où? Il n'y a pas de tout à l'heure. Et puis il y a un bon moment pour le monde. Et puis il dit que le ministre démissionnaire n'a pas rentré dans le Parlement. C'est pas vrai. Alors que le président, il y a des ministres, Josian démissionnaire, qui a engagé l'État. Et on en a pour preuve, pas n'importe quelle preuve, un certain. Bullshit, non? Ça, c'est pas bullshit. Ça, c'est pas BS. D'accord. Qui est ce ministre démissionnaire, affaires étrangères, qui est signé où c'est là? Je ne peux pas lire sur mon papier. Nous sommes au niveau de l'Assemblée parlementaire et nous parlons des hommes et des femmes d'État.
il y a un minimum de protocole républicain au niveau de ce qui s'appelle le Chine. Allez-y. Président, je ne connais pas mon ministre. Je me dis comment le relais. Ou pas faire une députée de procès, d'accord, vraiment ça. D'accord. Donc, ici, il y a plan B et A. Je vais l'enlever parce que je m'a gentil, on m'a dit que je m'a connu, donc je corrige vous. Merci, monsieur le président. Merci. Monsieur le président, quand les séances sont terminées, faire du registre des années du 2 janvier 2020. Monsieur le président, prenez le s'il vous plaît. Je vais appeler nous que la débat de la proposition de du jour et c'est la dernière intervention. Monsieur le président, Monsieur le Président, son mariage pour nous corriger une fois pour toutes, ce qui est le Parlement, il n'a pas interdit aucun côté qu'un ministre démissionnaire par rentrer dans le Parlement. Le matin, il y a un monde qui répétait depuis toute la République à Pédé, pendant que vous ignorez responsabilité des ministres qui ont engagé les agents d'actifs pour carrière, qui ont dépensé le budget, qui ont exécuté le budget. Que nos commissions pas même capable d'éviter. Alors que nulle part n'est pas inscrit dans la Constitution républicaine. Deuxième chose. Président. Parce que député. À 10 ans, il y a une précédence parce qu'il s'agit. Président, membre du bureau, parlez de l'Assemblée. Président, le député de Gaumont veut tout simplement que collègues, mes amis de l'Abbara, rectifient-ils. Il ne faut pas les accusateurs. Nous initier, nous, on nous une accusation. C'est après que cela, si vous décidez, la commune de secteur, nous sommes accusateurs. Faut-nous créer sous sa président, la liste de la commune. Président, chambre des députés, notre position de liaison dans le cadre de l'article 93 de la Constitution républicaine, les constitués comme un paquet dans le cadre du tribunal aujourd'hui. Le Sénat de la République. Il y a une motion qui est accordée. Vous prenez Isaïe. Collègue. Membre du bureau. Collègue de l'Assemblée. Qu'est-ce que vous voulez nous plaire là-dedans? Nous là, nous débattons, nous discutons sous ordre du jour. Sans moi, député, yo a demandé là, c'est bagage qui va rentrer dans le film, voter l'ordre du jour là pour nous rentrer dans les débats. On nous statue sur l'ordre du jour, le qu'on vient nous commencer dans le débat, nous avons des possibilités, qui vous qui doit rentrer, qui vous qui pas qui doit rentrer. Et moi, c'est que l'ordre du jour là, quand on va finir de voter, le fini, député Samuel et Marcel qui va demander pour le former en délégation. Le Sénat justifié, ce qui va mettre dans l'ordre du jour. Il y a une motion d'ordre qui est là pour vous, mon collègue Boulier.
Vos paroles avaient été accordées aux collègues conseillers. Merci. Président, président, nous comprenons très bien mon histoire des Israéliens, mais mon petit collègue Israélien, avec l'Assemblée, pour un palais de cette dépendance, c'est justement pour nous modifier l'ordre du jour. C'est justement pour nous modifier l'ordre du jour, pour nous insérer dans notre plan. C'est l'ordre du jour, même nous. Avant que vous, président, capable de mettre son monde à l'ordre du jour, il va faire sujet de débat. Parce qu'il y a contradiction sous lui au niveau de la Constitution. La Constitution précisait qui vous qui doit rentrer là, qui vous qui pas doit rentrer là. Donc, par exemple, ce n'est pas en salle de commission que l'on travaille. Sous en salle de commission, on va venir tout le monde. Mais ça, c'est le Parlement. On va amener, on est qui fait partie du droit de l'homme. Dit là, ça veut dire qui rentre là. Ça veut dire qu'on est dans la scène quand tu joues à fil au débat, le président va faire pour ça. Merci. Président, merci président. Président, moi, redis que chambre des députés, dans l'esprit de l'article 93, 186, c'est une instance juridictionnelle. Et en tant que telle, comme dans le cas du parquet dans le tribunal de première instance, l'est en situation de recevoir. Dans le cadre de cette affaire, la mise en accusation de Jovenel Moïse, président, d'inviter des gens que l'estimer dans la situation. Un instant. Il y a une motion de vote qui est accordée au collègue Jean-Marie. Jean-Marie Fonsa. Monsieur le président, monsieur et dames, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, monsieur le grand initiateur de cette procédure de mise en accusation. Vous n'êtes pas accusateur, vous ne pouvez pas jouer avec le mot. Pour les techniciens que je suis, je ne peux pas me permettre de jouer avec le mot. Président, je veux la militaire parce que je vois que nous sommes en train de perdre notre temps. Mais seulement, il vient lui-même de vous donner raison d'enlever cette partie de cette procédure. Il dit que le parquet, c'est comme le parquet. Or déjà, il a le principe que le parquet, mon collègue Monsieur le sait, n'est pas une juridiction de jugement. Le parquet n'est pas une juridiction de jugement. En notre sens, nous ne sommes pas venus ici à l'espace de jugement. Nous ne sommes pas venus ici à l'espace de jugement. Nous sommes venus initier, vous me permettez. Terminez, quand vous parlez, vous faites ça. Voyez, maintenant qu'on veut ajouter quelque chose. Alors, président, je voulais seulement faire voir que le parquet n'est pas une juridiction de jugement, nous ne sommes pas une instance juridictionnelle, nous ne sommes pas venus ici ni pour juger, ni pour estimer. Merci. Allez, là-dessus. Madame le membre du bureau, je vous parle de ce rapport. Demandeur comme moi, de la mise en accusation du président de la République, et enfin chef collègue de l'Assemblée. Paragraphe 2, s'il vous plaît. Je n'ai pas à vous identifier. J'ai dans le projet d'abord auquel les honorables sont là. Merci. Président, je tiens d'abord à faire remarquer à mes collègues de la 50e législature qu'aujourd'hui, nous sommes à une séance solennelle. Séance solennelle se porte sur une demande de mise en accusation du président de la République pour crime de contre-trahison. Donc, cela c'est quoi ? Nous sommes aujourd'hui à la Chambre des députés à une séance spéciale. Séance spéciale ? Pourquoi ?
pour une spéciale. Et ça, la loi dit dans ça. La loi dit que pas pour moi, collègue, vous voulez prier, c'est vous. Une loi spéciale, pour ça, spéciale, vous avez parlé, si collègue veut parler en même temps que moi, président, c'est vous qui jugez le président de la séance. Président, c'est vous qui dirigez la séance. Collègue ministre, demandez pour moi. Collègue ministre, personne. Chers collègues de l'Assemblée, nous voulons être compréhensifs. Donc, cette séance, quand même, c'est une séance spéciale. Je rappelle aussi, et je rappelle que vous êtes des hommes d'État. Donc, des hommes et des femmes d'État. Collègues, s'il vous plaît, laissez vos collègues attention. Et tout mon nez à mes collègues de la 50e législature de se montrer à la hauteur de la mission. En cette fin de mandat tout pour entrer dans l'histoire. Président, dans l'histoire. Président, je dis bien que nous sommes à une séance spéciale, supportant sur une demande de mise en accusation du président de la République. Malheureusement, président, la constitution de cette disposition impérative prévoit pas de demande de mise en accusation, mais la loi, je dirais, de réglementation qui devrait le nom, tout au moins, de tracer la procédure à suivre. Voilà. Vous pensez bien, président, que mes collègues de l'Assemblée ont peur du combat de mes arguments. Je rappelle que ce n'est pas une prise de parole. C'est une motion. Président, je suis au prémisse de mes idées. Je voulais dire comment exprimer mes idées, président, mais j'ai ma manière à moi de m'introduire, président. Je suis maintenant à l'espoir des choses. Président, j'interviens particulièrement, président, justement après une demande produite par les collègues de demandeurs de mise en accusation. Donc, voilà. Maintenant, si on va voir avec le membre de Nous sommes demandeurs. C'est une demande de mise en accusation. C'est l'Assemblée maintenant qui va se prononcer sur la demande. D'accord. Merci pour là. Merci. Si on a voilà, on a ensemble. Merci pour les membres reçus. Président, j'interviens. J'interviens, président. C'est suite à la demande de communication de pièces. Alors, à la demande, s'il vous plaît. À la demande de la commission devant accueillir les personnalités qui ont été, je dirais, invitées. Voilà. Je suis là. Donc, je dis que, président, à cet effet, une correspondance d'ailleurs a été adressée, a été adressée au bureau, particulièrement au président de la Chambre des députés, pour tout au moins inviter ces personnalités. Nous avons à la vitesse de réception de cette correspondance, donc rien n'a été fait en ce sens. Merci, madame la Président. Merci. Un instant pour les poser. Je voudrais, pour les premières, s'il vous plaît, je voudrais rappeler mon collègue. Président,
je maintiens ma compréhension de la démarche de la Chambre des députés en ce qui concerne cette demande de mise en accusation. Parce que, je dis tout à l'heure, le Chambre des députés, la Chambre des députés organise la poursuite, reçoit une plainte des députés de cette assemblée. Et c'est la poursuite maintenant de l'affaire là. Et le Sénat de la République, à lui seul, consomme, réunit deux fonctions, l'instruction et le jugement. Parce que c'est aussi le même Sénat ça qui aura élu quelques sénateurs pour procéder à l'instruction de l'affaire. Il y a une motion qui est accordée au président du bloc. Bonjour, le président, membre du bureau, collègues, initiateurs et assembléens. Président, nous allons droit dans ça qui veut qui va nous. C'est sur ça nous camper, c'est sur ça que marcher. Président, pour toute demande, nous n'avons pas du jour, nous faisons débat pendant un long temps. Et par contre, quel monde qui fait du monde par rapport à la modification du code du joueur. Et président, il y a une responsabilité. Si il y a une modification du code du joueur, il fait du monde dans le bureau. Et président, passez un vote pour nous connaître exactement de quoi il en est. Président, monseigneur, nous ne pouvons pas continuer à faire débat pour que la loi de nos fonds documents et nous pouvons même voter au juge. Tout ça, président. Vous m'avez pour tout député, pour tout le monde qui décide, faire demande pour modification de la RDR, ou à faire des demandes et ou à demander à son réavis et pour se sauver pour avancer, monsieur. Merci, monsieur. Merci, avec monsieur. Moi, je demande encore une fois à l'UOA pour introduire un point. Pour former une commission pour aller faire entrer l'ensemble des députés invités que nous demandons pour nous présenter. Et ceci, monsieur le président, quand parler de députés, de monde qui va bien entrer dans le Parlement, nous disons que nous lançons un spécial en tant que tel, n'importe qui monde capable de venir là sur invitation, député. Pour faire plaisir à nos collègues demandeurs de mise en accusation, pour venir justement, pour venir dire, par exemple, monsieur le président, nous présentons devant nous l'agent de travail. Quel débat ? Nous, président, nous-mêmes, nous recevons monsieur Ali, le ministre de facto, pour venir, pour dire que le signe, pour faire 7 mercenaires américains, bandits criminels américains, qui étaient payants, est-ce que lui acceptait que c'est lui qui était là ? Merci. Allez,
de conscience. Merci. Collègue Bossé, merci. Collègue Latisse, venez donner lecture de l'article 37 des règlements. Non, président. Non, Collègue Bossé, vous pouvez toujours revenir à la charge. Oui. Nous sommes à la marge. Et dans ce cas de figure, je vais terminer mon élan. Collègue Bossé, tu peux le faire. Monsieur le président. Collègue Bossé. Malheureusement. Collègue Bossé. C'est mauvais. Pendant plus que 30 minutes. Comme dormir. Pierre, Pépierre, Julien, Foi Clôture et Rénal Exantus. S'empresse de vous soumettre conformément aux dispositions des articles 185, 186, 187, 188. 189.1, 189.2, 190 de la Constitution du 29 mars 1987 amendé et au règlement intérieur de la Chambre des députés. L'acte de mise en accusation contre le président Jovenel Moïse pour des faits constitutifs du crime de trahison. Vu l'urgence de l'heure, les députés accusateurs vous demandent de prendre toutes les dispositions qui s'imposent au fin de permettre à la Chambre des députés, co-dépositaire de la souveraineté nationale, de statuer toute affaire cessante sur la présente en prononçant la mise en accusation du président Jovenel Moïse. Une fois destitué de sa fonction, M. Jovenel Moïse sera traduit devant les tribunaux de droit commun pour répondre des faits de corruption et de massacre qui lui sont reprochés. Espérant que vous allez accorder une suite favorable et urgente à cette correspondance, les députés signataires de la présente vous prient, M. le Président, de croire en leur parfaite collaboration. Suivent les signatures. Joseph Manès Louis, député de Cabaret, Jean-Robert Bossier, député d'Aquin, Sinal Bertrand, député de Port-Salut, Roger Millien, député de la première circonscription de Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 9 avril 2019. Monsieur Dali Bodo, président de la Chambre des députés en Saint-Louis. Objet, demande de bénéfice de l'urgence à la demande de mise en accusation du président Jovenel Moïse. Monsieur le Président, député de Maricot vous présente ses compliments et saisit l'occasion pour vous demander de bien vouloir apporter le bénéfice de l'urgence à la demande de mise en accusation du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, soutenu par 14 collègues députés avant toute éventuelle séance de ratification du nouveau gouvernement. Rappelons, Monsieur le Président, que l'heure est grave en ce qui concerne la bonne gouvernance, le bien-être du peuple haïtien, l'image d'Haïti à l'étranger et l'utilité du Parlement haïtien. Le choix, après vos propres consultations, demande du gouvernement de M. Jean-Louis Séant, censuré par 93 députés, témoigne une fois de plus la nudité de la Chambre basse. Ainsi, vous pouvez que nous sommes esclaves de la loi. Nous devons prendre notre responsabilité tout en facilitant la proclamation et la tenue de la séance de mise en accusation dont la demande a précédé la démarche suspecte de l'interpellation du gouvernement Jean-Henri Séant censuré. Aussi, nous devons souligner qu'une présidence en perte de légitimité ne peut pas nommer un gouvernement légitime. J'en pointe à ceci les mots du roi Salomon. Comment d'une excuse sortira-t-il d'une être pure?
aura un gouvernement dans les conditions actuelles, il ne servira à rien, sinon qu'à la continuité du sale boulot, consistant à alimenter la contrebande, reprendre la corruption, renforcer l'impunité et la misère de la population. En ce sens, je n'ai pas honte de dire pour ce que les autres disent tout bas, car ils croient que nous serions bonnes parlement des choses qui parlent au plus tabac. Un lot d'incompétents qui se croit intelligent et qui prend le peuple pour lui. Il est vrai que pour changer la vie, il faut commencer par changer la vie politique. Comme dit hier, posant un accord d'État pour une fois. Espérant que sa demande sera accueillie, le député vous renouvelle, Monsieur le Président, l'expression de la de ces salutations distinctes. Objet, rappel de la demande de mise en accusation du président Jovenel Moïse. Monsieur le Président, le député de Marico, l'honorable Élise Véronel, par la présente demande de bien vouloir donner suite à la correspondance du 9 avril 2019, ayant pour objet demande de bénéfice de l'urgence à la demande de mise en accusation du président Jovenel Moïse. Demande supportée par un groupe de 14 députés déposée au secrétariat de la présidence le 20 février 2019. Le député persiste, au-delà de vos mépris, à vous adresser des correspondances parce qu'il refuse de vous renvoyer dans l'histoire comme un mur. Il souligne à votre attention que l'heure est encore plus grave et que le peuple haïtien traverse des questions de son histoire. Le rapport définitif de la Cour supérieure des comptes et dissonances administratives, CSC, vient de prouver une fois de plus que les dirigeants haïtiens sont irresponsables et insensibles par rapport à la misère du peuple. Voilà pourquoi que nous devons prendre nos responsabilités de parlementaires au lieu de défendre nos intérêts mesquins. Monsieur le Président, l'heure n'est plus à une quelconque démission en bloc. Elle est à la responsabilité des représentants du peuple de faire appliquer la Constitution de 1987 amendée rendant un service au peuple haïtien. Posons au moins un acte historique pour que la 50e législature ne soit pas vote, même par un rappel au règlement. Article 100, aucune rectification n'est admise après la clôture du scrutin et le résultat du vote proclamé demeure acquis. Article 101, le vote par scrutin public est obligatoire. Chaque fois qu'une majorité qualifiée est requise et dans tous les cas prévus par le présent règlement. Article 102, le vote par scrutin public peut être requis par le gouvernement ou par un président de loi. Article 103. Les procédures sont répétées. Article 103.1. Les membres du bureau, sauf le président, votent. Puis le secrétaire du bureau ou du service des séances procède à l'appel nominal des députés par ordre alphabétique à partir du lettre de l'alphabet tiré au sort par le président séance. Article 100.2. Chaque député dépose dans l'urne
un bulletin à son nom et portant la mention manuscrit ou imprimé pour compte absent. Article 104. Les secrétaires du bureau dépouillent le scrutin. Le président de séance proclame. Merci. Un instant. Nous avons fonctionné avec des attachements. Et ça fait le début de l'Allemagne, c'est la fois autorisée de tout ça. Nous avons fonctionné législative là, qui a voté loi sur le salaire minimum là, et l'anti-roi au président. Ça, c'est fonctionné avec des attachements. Collègue Sénat, un instant. Nous avons fonctionné. Collègue Sénat, le président de la Chambre veut rectifier. Je rappelle que la proposition de loi qui concerne le salaire minimum avait été votée par l'Assemblée et transmise au Sénat. Merci. Non, mais. Troisième fonction, président, c'est fonction contrôle. En deux fonctions contrôle, nous avons invitation, nous avons convocation, interpellation. Et je dis à gouvernement, merci Alfredo. Et je dis à collègue Alfredo. Et je dis à nous, la quatrième grande fonction, président, c'est fonction juridictionnelle. C'est l'une qui a été président, bien qu'il soit haut fonctionnaire en l'État, en accusation, président. Président, vous connaissez plus qu'un passé, vous souvenez de la présidence, moi-même comme député, je ne vais pas écrire au ministre. Faut que nous passions par le bureau, faut que nous passions par nous-mêmes, surtout président. C'est que nous maintenant, minorité à nous faire. Moi, songer, pas tellement longtemps, d'avoir présidé mon commission avec le sénateur Lambert, sous affaire KIP permanent. Moi-même, personnellement, qui comme co-président, moi, écrit à Oléli, président pour suivre les bonnes, lui tourner, lui dire. Il n'y a pas qu'à faire une réponse, c'est le président Chorzeur pour faire réponse. Et puis, une semaine après, l'OCHAD dirige une commission, l'écrit l'OCHAD personnellement. Ça veut dire c'est comme ça que l'institution fonctionne. Il dit qu'il n'y a pas qu'à écrire, mais lui-même, il a écrit l'OCHAD. Mais là, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de président Chorzeur réponse. Alors que ma co-présidée, on commission. Président, nous utilisons toute sagesse au président. Nous avons longtemps, c'est parce que nous avons fait depuis le président Chorzeur, nous avons écrit. Et le président Chorzeur a toujours montré, nous avons l'aide par là. Nous connaissons la constitution, nous disons ça, chaque 3 mois, 15 jours après 3 mois, il faut un rapport avec le jeune parlement qui soit dans la finance avec BRH. Nous sommes la 4e année. Tout en a demandé nous pour que j'en fasse. Conseil spécial a mis la même. Nous écoutons le président depuis 8 juillet. Comme nous connaissons pas qu'à écrire ensemble de monde, on a parlé la ministre, etc., aux fonctionnaires de l'État, nous écoutons le président. Pour nous dire qui ça nous a besoin pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a continué là, il faut que nous ayons ça nous demandons. Dans ce cas, vous allez faire une proposition et l'Assemblée va être consultée. Vous n'êtes pas à l'Assemblée. Vous allez faire une demande. Vous allez poser une demande. Parce que c'est pas une consultée. Président, collègues, là, président de l'institution, président. Mes collègues majorité dans l'opposition, vous offrez attitude d'aller. Vous une signal descend même sous guérison. Pour guérison. Président, c'est le cas présidé fort au-dessus de la même chose. En venant tout de suite, ça va pour le président. Collègue Sénat. Ministre. Président, nous écrivons encore. 8 juillet, qui se passe là, nous n'avons pas écrit le monde qui vous soumet le dossier, nous écrit dans le fond de la résidence. Non, professeur, vous allez me dire attention. Président, le 8 juillet, nous pouvons correspondre à ça. Nous disons,
Mais qui s'en a besoin pour dérouler séance. Nous n'avons pas écrit ministre dans sa même. Nous écrivons nous demander ça pour nous. Gouvernement donc qui sorti sous loi et sous budget 2017 là qui notifie pour passer des bits de notre tête de mouton pas vous rien. On a fait une photo en loi rectificative, il y a sorti un mémorandum de changer toutes sortes de votes. Nous voulons porter ça pour nous, président. Faire un voyage là pour nous. Il y a pas pour vous, président. Nous avons ensemble deux points au nom du président. S'ouvre le séance, il déroule très bien. Il faut que nous ayons pièce. Nous allons chercher là. Nous allons chercher ce que le président a répondu. Il y a une motion qui est d'accord, il y a une motion pour l'instant. Ah, c'est le fait d'être pour l'instant. Je demande une motion. Correct, demandeur. Et moi-même, je suis en total désaccord avec mon collègue Simal. Et je ne suis pas venu en contradiction avec le collègue Simal. Mais seulement. Mais seulement. Et je suis venu au nom du droit. Parce qu'il y a l'article, et j'étais en train de feuilleter un peu quelques articles de la Constitution. Je renvoie le code national à l'article 118. 118 permet aux députés demandeurs d'anticiper, de demander plutôt au bout de l'Assemblée des députés, dans le cadre d'une résolution du demande, de former une commission d'enquête, et dans le cadre d'une enquête parlementaire, il pourrait, ces députés demandeurs, aller trouver ces personnes insultées pour retirer d'eux les pièces authentiques dont ils souhaitent avoir. Alors, l'article 118 dit « Chaque chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie. » Vous êtes en train de constater qu'il y a certaines violations de la Constitution et vous êtes d'avis que des personnalités importantes peuvent vous informer et peuvent authentifier les preuves de cette violation et bien aller les trouver dans le cadre d'une mission parlementaire. Motion de la volée, vous connaissez le malaise. Collègue, ce palais, je vous en prie. Son excellent avocat, c'est des fois, par occasion. Président, nous écrivons pour demander. Par exemple, ma combat est bien simple. Nous sommes dernièrement, sans avoir assemblé à une conférence des présidents, pour tout nos budgets, on écrit président au tournoi. Nous trouvons arrêté présidentiel qui nommait 50 juges corrompus. Nous demandons chercher le document savant. Nous demandons au président une lettre responsive pour se faire des comptes concernant quatre ministres qui étaient mal nommés. Est-ce que c'est pas aujourd'hui ou bien c'est où pour aujourd'hui? Il y a une motion qui est abordée au problème de Kestov. Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, messieurs les dénonciateurs, je rappelle des dénonciateurs. Maître de ma parole. Je suis maître de ma parole. Collègue Sinal Bertrand, président, parle de quatre ministres que l'édicte est mal nommé et c'est devant Auguste Assemblée que le gouvernement est ratifié. Ok? Merci. Bon,
Cher maître. Docteur. Président. Même la même lettre sa président. Au fond, il y a ce président sur 50 juges, tout le monde connaît le président de Dieu, la presse gagne. Je dis ça, nous avons même pris pour moi ça. Arrêtez de nous mettre dans la main, c'est lui-même qui signe, nous avons arrêté, arrêtez ça. Président, mais moi, dans le ministère de l'économie et de finances, loi de finances, qui est le conseil de l'État, ma promotion, qui est le poursuivre. Nous avons arrêté, nos discussions continuent, nous avons gagné, mais moi, comme ça, la même comme député qui fait mise en accusation, qui demandait mise en accusation. Merci. Non, là, vous êtes ma parole. Vous voyez, c'est le papa, le président, c'est le papa, la veille. C'est moi, dis-moi, c'est le nom, Nico. Palestine a terminé. On est gâté de s'il vous plaît. Le monde de la président, ça a pris le de Mathieu. Nous avons fait urgence 9 mois, nous avons mis un document. Qui est-ce qui a demandé, qui est-ce qui a fait demande pour nous, c'est vous-même. Grand chef. Président. On parle de notre bagarre encore, président. Nous demandons, il faut que nous gagnions là avant. On va dire, il faut que nous l'emmènions. On va continuer. Vous avez la motion. Oui, cherchez l'osé. C'est le moment de parler. Vous avez la motion. Monsieur le président. Monsieur le président de. Monsieur le président de la Chambre des députés. J'étais bien sur la tribune pour dénoncer une manœuvre dilatoire. En réalité, j'ai l'impression que les demandeurs de la mise en accusation ne sont pas prêts. Ils n'ont pas d'argument. Ils font le dilatoire. C'est une manœuvre. Je vais dire pourquoi. Il s'agit d'une manœuvre dilatoire. Je rappelle qu'il y a une motion d'ordre qui avait été accordée au collègue Malès. Collègue de l'Assemblée, collègue candidateur, collègue ici, avec beaucoup d'attention, d'abord l'intervention de mon projet. Floristan que je respecte. Oh. Mais malheureusement, en évoquant l'article 68, la Floristan dans les Floristan, vous êtes fourvoyé parce que cet article n'a rien à voir avec le débat. Deuxièmement,
quant à notre collègue, Nordis, il a tenté de faire croire que, paraît-il, nous ne disposons pas maintenant de preuves. Je rappelle, primo, à notre collègue, ici, il s'agit d'une séance spéciale. Et le fait qu'il s'agit d'une séance spéciale, donc, cette spécialité fait dérogation au règlement et aux règles. Notre collègue a gravé le temps de finir. Nous avons produit une correspondance à travers laquelle nous avons produit une communication de pièces. Parmi lesquelles nous avons demandé au bureau de mettre à notre disposition le procès-verbal de séance relatif à l'interpellation de l'ex-premier ministre Jacques Villafontaine. Et au cours de cette séance, le bureau a donné acte à collègue numéro 1 qui avait présenté la motion de censure, comme quoi la constitution et les lois de la République ont été violées. Ce document se révèle indispensable à la poursuite de cette demande de communication. Je suis perdu. Collègue Manès, le ancien commissaire du gouvernement, malheureusement, nous ne sommes pas dans une savane. Bien sûr, nous ne sommes pas dans une savane. Il y a des règles, il y a des principes qui régissent l'Assemblée. Et c'est sous règle ça, collègue Manès et collègue dénonciateur, on va dire collègue accusateur, t'es campé pour y avoir introduit, mise en accusation. Je dis à penser que si collègue a demandé preuve, il est clair et net que même il vient avec preuve, que même il vient avec preuve, parce que la preuve est comble aux accusateurs. Merci à vous, président. Alors, je rappelle pour mon collègue. Je rappelle pour mon collègue Willer. Il est vrai que il me revient maintenant. La main pour les voir. C'est à nous, cette charte. Mais il y a ce qu'on appelle également la preuve prima facie, c'est-à-dire une preuve qui s'obtient à première vue. Autre que la documentation bien étayée, nous gagnons et nous soumettons à l'appréciation de tous les collègues, nous besoin par exemple l'extrait. Des minutes maintenant, de séance qui était faite 4 juillet, et au cours de cette séance, le président ici présent, l'honorable Gaïmond, notre président, a eu le courage de donner acte que la constitution a été violée. Ce document est extrêmement important pour nous pour pouvoir maintenant établir que, effectivement, dans le cadre du remaniement ministériel de l'ex-premier ministre Jacques Villafontaine, la constitution a été violée. Donc, cette demande de communication de pièces est préjudicielle. Tant que le bureau n'est pas en mesure de soumettre, entre autres, ces pièces, mais on ne peut pas avancer ce procès. Donc, c'est une question de préjudicielle que le bureau est tenu maintenant par un maître de soumettre l'ensemble des pièces réclamées par le maître. Par le maître, c'est le maître. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les membres du bureau, franchement, je suis déçu.
Je suis déçu car après 5 mois de démarche, 5 mois de persistance pour avoir une séance de mise en accusation, je constate aujourd'hui, je le répète, que nos collègues de Valverde sont après. Et ils lancent la santé dans une dynamique dilatoire. Et je vais préciser pourquoi. La conférence des présidents, en fait, qui décide du menu et des séances, la dernière conférence des présidents n'était pas informée de cette demande. L'Assemblée, qui est l'instance suprême, lors de notre dernière séance de l'Assemblée, quand nous avions décidé de la tenue de cette séance au 7 août, cette question-là, cette demande n'était pas à l'ordre du jour. Oui, mais personnellement, je ne suis même pas au courant de ce mot. Donc l'Assemblée n'est pas liée à ce mot. Moi, ce que je présume et ce que j'affirme, c'est que nos collègues ne sont pas prêts. Comme s'ils si ont parlé de calendrier de séance de ministre de calendrier de 7 jours. Ils veulent nous amasser le temps. Ils veulent nous faire du temps pour jamais que la séance ne se termine pas. Bon, monsieur le président, on va terminer la séance aujourd'hui. Merci. Merci. Collègue Sénat, terminé. Collègue Manès. Merci. Non, quand la proposition va répondre, monsieur, c'est John Salam, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur. Pour moi, l'avance, nous écrit président, nous dit document, ça a besoin. C'est pas par l'empire, Jacques, qui s'est monté, mais fait le job là, ça monsieur. Nous écrit président, là, avec Bolo, nous pas écrit ministre, pas écrit personne, nous pas tout document, ça a. C'est une preuve là, un petit pari preuve. L'échange d'agence de président, nous t'écrire, nous dire chaque 15 jours après chaque 3 mois, il faut qu'on rapport qui vient là. Président Joseph t'a écrit BRH, il t'a écrit finance, il vient à preuve, il dit même t'a écrit pas bonne réponse. Qui ça va arriver avec ce qu'on nous parle là? Ça nous fait là, président Gary, tu sais. Qui ça fait? FMS a mal donné. Mais qui est-ce que Gary, est-ce que vous écrivez? Pour dire oui, t'es qui vont copier mon mien, mais demande les finances, t'es là pour ma valine. Non! Merci pour les finances. Mais c'est ça. Moi, je suis venu, je suis un mois d'avance, moi, j'ai tout document, ni pas mon thème, t'es là pour ma réponse, ni pas répondre moi, pour la nous dire par épreuve. Au moins, monsieur, nous avons des antivations. Pas de mal à fond. La parole est accordée au député Quintel. Beaucoup fini, président. Vous parlez de Un peu à la parole là pour fonctionner le droit. On est plus bien. Mais si on est mieux, parce que là, c'est ma part. On est plus bien, s'il vous plaît. 8 juillet. Merci, collègue Kittel. Merci. Collègue de la Cousse. Merci, président. Et président, nous écrivons 8 juillet pour nous demander mettez disponible pour nous de chercher, parce que nous-mêmes n'avons pas qu'à écrire et c'est sur directement pour nous demander le document. Et depuis 8 juillet, nous avons une réponse de vous. Et article 238-1 règlement intérieur, il dit le service de la documentation et des archives est chargé en liaison avec les autres bibliothèques publiques
et universitaire de la République d'Haïti et fournie à la Chambre des députés, au Sénat et aux autres membres des deux chambres du corps législatif, à titre individuel, les informations nécessaires à leur mission. Président, nous écrivons. Il y a une motion qui est abordée aux députés de Bongo. Président, rappelez-vous dans l'Assemblée. Président, nous sommes perdus parce que l'article 47 de l'OIT a dit que l'ancien décide de son royaume par nous orateurs qui a fait tout le monde. Débat fait, collectif a dit pas d'accord pour dire à l'OIT. Au moins, si vous tranchez la pilomastie, passage à sous pour répéter du tranché. Nous continuons avec l'ordre du jour jusqu'à ce que nous prenions 6. Je l'appelle au bureau et à l'Assemblée. Nous sommes maintenant au point 6. Collectivement, venir commencer et il reste point 6 là. Exactement. Nous sommes au point 6. Que nous continuons au point 6 là et nous faisons débat sur point 6. Nous sommes au point 6. Nous sommes au point 6. C'est l'article 47 de l'Union intérieure. Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, aucun orateur ne peut prendre la parole sur le sujet. Donc c'est fini. Là c'est fini, nous sommes au point 6. Nous sommes au point 6. Quand il s'en prend la parole sur le point 6, il dit commencer, intelligemment, il parle en français, il y a fait deux de la mise en place, il parle en français, il y a fait deux de la dalle. Quand il continue la dalle, et monsieur a continué à prendre le point 6. Un instant, collègue. Il y a une motion d'ordre qui est abordée au collègue Manès. Collègue, nous sommes là. Pourquoi aller? Président, pour nous qui est peuple là, ma combattre là, c'est pas très lié. Collègue guerrier, s'il vous plaît, collègue. Oui, mais Et nous censurer maintenant le gouvernement de Jacques Lafontaine. Procès fait par la séance là, il a. Nous m'a laissé en correspondance. Et même pas élégance administrative, au bout de l'idée écrit au président au bureau, par élégance administrative, n'a pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse, qu'on y a nous la séance. Maintenant, nous ne sommes pas capables d'avancer, président. Tant que vous parlez de suspension, vous allez demander, je vais Merci, président. Et président, nous vendons pour nous faire appliquer article 238-1 règlement intérieur. Donc, pour le 8 juillet, nous vendons. Pour faire service concerné, chercher documents ça pour trouver dans le pays avec vous là pour nous.
Peuple a payé les gens ici à vous chercher des documents en retour là. Président, nous demandons. Vous faites appliquer à ces études-là, faites documents à vous, vivez nous là tout de suite et la continuer après. Merci beaucoup. Honorables collègues, chers collègues, initialement, je veux rappeler pour mes collègues de l'Assemblée que nous sommes en train d'expérimenter une séance spéciale. Et c'est un exercice parlementaire constitutionnel, un exercice que nous sommes en train de faire. Exercer sa volonté, faire bien, faut compter, gagner sa démocratie, il y a une loi de procédure. Et malheureusement, cette loi de procédure n'existe pas. Mais, parler un tour dans une jurisprudence qui te dit, mais comment tu fais déjà? Cependant, rien n'empêche que les collègues qui ont même initié des choses ça, il y a un empêche que vous chassez mon gens, que vous pouvez vous chasser, que vous chassez dans le local. Et je dis, vous écrit le roi, les effets sur chers collègues. Chers collègues, vous écrit le roi pour vous demander de vous mettre à la disposition de vous. Mes effets sur chers collègues. Il y a une question qui est accordée au collègue Claude Lescivier. Merci. Collègues de l'Assemblée. Président, il y a un constat et mon constat est clair. La démarche des députés, dénonciateurs, président, c'est une démarche fantaisiste et cavalière. Président, il y a tout effort qu'il a fait, président, pendant que ces députés-là, ils ne disposent d'aucun argument convaincant sur l'idée de faire le président de la présidente. Il y a une motion d'ordre qui est accordée au collègue Lumière. Moi, je regrette que les collègues Lesivier fassent une intervention à parler de Salvador. Président, nous avons un acte de mise en accusation et ce acte est distribué à l'Assemblée. Nous disons, avant même pour nous procéder à lecture de l'acte pour nous engager l'Assemblée, nous avons ensemble le préalable qui était concerné le bureau et que nous avons écrit, nous demandons le bureau pour le communiquer. Et là-dedans, du haut de cette tribu, samedi 14 juillet 2018, avant même procéder ça, avant même qu'elle déposée la lecture de l'acte d'interpellation du Premier ministre Jean-Guy Lafontaine, nous demandons du roi pour le débat nous acte à partir de l'ensemble de correspondances et particulièrement une correspondance émanant de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Qui démontrait que certains des ministres qui étaient intégrés dans le cabinet de M. Lafontaine ont été nommés en violation de la Constitution. Et le bureau présidé par l'honorable Gary Godot nous avait donné acte. Et ce document, c'est un document qui est éternel à la Chambre des députés. Comme c'est un document qui est éternel, s'il vous plaît. Il y a une motion de préjudice. Président, tentative que député devant de Tijan, tentative. Et que nous